Salut les gens, c'est ENB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse découverte sur Kin One Girl Army. Cette vidéo est réalisée en OP avec l'éditeur qui m'a proposé de tester le jeu. Donc merci beaucoup à eux. Il est disponible à 13,99€ sur le Nintendo eShop. Il pèse 1258 MB. Et il est disponible en anglais, japonais, portugais et chinois. Malheureusement pas en français. Il est sorti le 2 juillet 2020. Et en termes de pitch, en gros, eh bien, Kim est une adorable petite fille de 8 ans vivant sur une île paisible avec sa grand-mère, apprentissage sur le point de commencer, le cœur rose sur les joues. L'attrait principal de Kin se repose sur son système de mouvement au tour par tour et de ses mécanismes d'attaque. Bah, il y a du tour par tour, donc forcément, j'étais content. Bref, on se lance tout de suite dans le gameplay parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc on est parti, j'ai lancé le jeu, il n'y a même pas d'écran principal, on arrive directement sur une espèce de mini-map avec notre personnage. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va aller là. Ok. Je sais pas, on va jouer. C'est quoi, on va jouer, je tente, on découvre, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a du tour par tour, il y a des trucs d'attaque. Voilà, on va voir. Bon. Elle a 8 ans, elle défonce déjà des ennemis avec des armes. Donc pourquoi pas, écoute. Déjà j'aime bien la DA déjà. Donc ça c'est. On est chez sa grand-mère pour le camp d'entraînement. J'aime beaucoup ce genre de DA déjà. Allez, on va faire beaucoup d'entraînement pour se faire, donc on va aller voir. On va aller chercher. Ah oui, d'accord. Ah, c'est les modes de déplacement, vous savez, c'est un petit peu comme dans les jeux genre Pokémon quand vous êtes sur la glace. Genre en fait, ça c'est une ligne droite. C'est-à-dire que vous faites un mouvement et ça se déplace en ligne droite. Ah, j'aime bien ce genre de gameplay. Assez atypique dans l'idée, parce que du coup, il faut vraiment trouver le chemin parfait pour y aller. Donc là, on est bon. Ok. Alors si effectivement il y a des combats derrière, ça peut être relativement intéressant de la façon dont ça va se faire. Ok, donc je pense qu'il y a un moyen de slider pour le faire. Alors, 2 dommages par ennemi. Ok, donc comment ça marche? Si je fais ça, c'est vrai qu'il y a une espèce de petit côté un petit peu énigme. Ok, bon là c'était assez simple, très bien. La DR est vraiment cool. Pareil pour les pour la musique. Ok, donc je elle transporte des armes depuis qu'elle a 3 ans, très bien. C'est pas normal de donner des armes à une gamine de 3 ans, madame. Enfin, je tiens à vous le dire. Allez, respecte tes aînés et fais ce que je te dis. Ok, ok, ça c'est fait. Alors par contre, c'est 2 à chaque fois. Ah non, c'est bon. Ah si, c'est bon. Ok, ok, c'est bon. Donc on peut vraiment les battre en ligne droite. C'était quoi le machin violet qu'il y avait là-bas? Attends. Ah, je peux pas y aller. Ah, j'aurais dû. Je voulais aller voir ce que c'était. Ah, peut-être que je peux, attends. Ah, c'est là. Interact. D'accord, c'est juste pour parler avec la grand-mère, ok. Bon, je vais vous passer un petit peu les dialogues pour ceux qui voudront le faire plus tard, comme ça au moins c'est bon pour vous. Hop. Ok. Alors, ce qui vous intéresse, c'est bien évidemment le gameplay. On est dans l'entraînement, donc on y va. On fait des attaques autour de nous. Excellent. Ok. Ah oui, d'accord, ça change le truc en fait. Excellent. En fait, si vous arrivez juste à côté de l'ennemi, vous allez faire des dégâts autour de vous. Ok. Ah oui. Ok. Ok, donc on a une mini-map aussi. Ok, attendez, c'est qu'il y a un truc derrière, je peux pas les avoir autrement. Et la DA elle est vraiment sympa. Hein. Ça c'est vraiment des attaques sur les deux côtés hein. C'est bien ça. Ok. Ok, on est bon, mais tu peux pas perdre le cœur, donc en fait on est bon. On est très très bon là. Oula. Alors comment ça se passe? Ah, stylé. On va aller là-haut. Ok. Attendez. Si je fais ça.
ça c'est bon. Ok. Si je fais ça, je les fais revenir. Ok, c'est bon. Et là, je vais attendre. Yes. Je peux lui parler si j'ai envie. Ok, très bien. Le son du jeu est un petit peu fort. Bien sûr, je peux le baisser un petit peu si vous voulez. Pas de soucis. Tu peux peut-être un petit peu bouger mon micro si vous voulez, même. Allez, on va avancer. Alors. Tu es partout, grand-mère. Je suis assez rapide pour une grand-mère. Ok. Ah d'accord, je me fais attaquer quand c'est comme ça. D'accord, vraiment, quand j'arrive juste à côté et que je peux rien faire, je me fais attaquer en même temps. Alors, je peux essayer de bouger comme ça. Ok, c'est bon, c'est ça. Ok, nickel. Alors. Ah, je vais être obligé de me faire un part après, non? Si je fais ça. Ah ouais, je peux le gérer comme ça. Excellent. Ah, punaise, ouais, il avait bougé. Donc il y a tout un système évidemment de stratégie à adopter. Ok. Ah là il y a une clé. Là il nous faut une clé pour aller ouvrir là-bas. Vous savez ce que ça me rappelle? Il y avait un petit jeu à l'époque, quand j'étais plus jeune, et c'est pour ça que j'aime bien, je pense. Il y avait un petit jeu quand j'étais plus petit, alors je ne retrouve absolument plus le nom. C'était des jeux qui étaient disponibles dans les paquets de céréales. Il y avait ça quand on était plus jeune, maintenant il faut payer. Et il y avait un petit garçon qui bougeait sur de la glace, justement. Il devait récupérer des clés de couleur pour ouvrir des portes et avancer dans les niveaux. Je ne sais absolument plus le nom de ce jeu. Il y avait un autre jeu où c'est pareil, il devait récupérer des pommes, si je dis pas de bêtises. Et c'était les deux jeux qui m'ont vraiment marqué quand j'étais petit, que je n'ai jamais retrouvé. Et ça me fait vraiment penser à ça. Et c'était trop bien. C'était franchement trop cool. J'ai plus le nom en tête. Merci Gaël pour ton salon. Je sais plus comment c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Oh, je vais me faire avoir encore. Ah, j'ai mal géré, c'est de ma faute. Et franchement, ça me fait vraiment penser à ça. Hop là. Ok, on a fini notre entraînement, j'ai l'impression. Ça, c'est cool. Ok. Ah oui, par contre, effectivement, j'ai pas réussi à choper les trucs qu'il faut. Donc, il y a plusieurs niveaux de réussite. Merci, Tara, aussi, de ton sub. Merci beaucoup. Merci énormément. Et j'ai le nouveau badge à faire, ouais, pour les 15e mois de sub, il faut que je le fasse. Ok, donc il y a différents niveaux. Alors à quoi ça sert les espèces de petits... des petites orbes? On sait pas encore. Ok. On va avancer un petit peu. On peut revoir la map en termes généraux ou pas? Oh, j'adore la DA, perso. Allez, go. C'est parti. Donc là, par contre, il nous faut 125 moves minimum et pas prendre de dégâts. On va essayer de faire ça. Et par contre, on a qu'une seule espèce de petite sphère en haut. Merci Lenny pour ton cheers. Merci beaucoup. Merci énormément. Ok, donc prenez votre temps et planifiez ce qu'il faut. Les ennemis ne bougent que lorsqu'on bouge. Très bien. Bon, grand-mère. Allez, vas-y. La corruption est en train d'approcher. Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper. Go! Je peux te parler, c'est ça? Tout brûlé. Ok. Attends, il me faut une clé. Elle est où la clé? Ah mais d'accord, je peux aller dans les décors. Ah, c'est stylé de pouvoir... Ah, par contre, là, je suis en train de bousiller le nombre de moves nécessaires. Parce qu'on a un certain nombre de moves nécessaires pour avancer. Ok, il y a des zombies. Ah oui, d'accord, on a d'autres... Alors, attendez. Parce que là, si je bouge en ligne droite, lui, va... Ah non, je peux l'attaquer. Puisqu'on se retrouve à côté. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je peux attaquer les deux autres qui sont là. Ça c'est bon, ok, on est good, je fais ça, et là j'enchaîne. Ok, parfait. Un peu stratégique quand même. Alors, il faut que j'avance, parce que sinon je vais me faire avoir, ça c'est bon. Si j'avance en bas, je me fais avoir, donc je vais faire ça, et là on est bon. Ok, good. Ça c'est good. Alors là, si je vais vers le bas, je me fais avoir, parce qu'il y a son pote qui va débarquer, donc je fais ça d'abord, ensuite je vais là. J'enchaîne les trois. Je fais ça. Je suis en train de perdre du temps. Pour rien, je pense. J'ai fait des moves qui étaient pas nécessaires, c'est sûr. Bah, normalement, juste ça. Ah non, je peux pas faire ça. Ah zut! Attendez. Ah si, c'est bon. Ok, j'ai eu peur. Très bien.
système de déplacement et de stratégie entre les deux. Alors le problème... Ouais, je suis obligé de faire ça. Si je fais ça, je me fais avoir, donc je fais ça. Si je fais ça, je me fais avoir, donc je fais ça. Je suis obligé d'aller retourner là-haut encore. Ça, c'est bon. Là, je peux. Là, je peux. Là, je peux. Ah, punaise donc, je me suis fait avoir, zut. Ah, je pensais vraiment que ça allait passer. Ah, je me suis vraiment fait avoir comme un bleu, là. Ah, zut. Ah, zut. Ah ouais, j'ai fait n'importe quoi, là. J'ai perdu trop de temps, c'est dommage. Alors. Ok, détruire le pont a été une décision relativement importante, mais... Alors, je récupère mon cœur. J'ai l'impression qu'on va y avoir un boss, par là. Ok, je récupère le pont, parce que c'est une décision importante. Ok, vas-y, on va avancer. Crac. Ok, ça c'est fait, maintenant il reste plus qu'à avancer. Boum. Ok. Je le vois bouger là-haut. Je vais me faire avoir. Si je fais ça, je me fais avoir en fait, c'est ça le problème. Comment je vais faire? Voilà, c'est bon, ok, on est bon. Ok, on est bon. Ah, j'ai réussi pour les 125 moves. Ah ouais, mais on a pris des dégâts, c'est dommage. C'est dommage. Je sais pas à quoi ça va servir, ce genre de petit truc. Apparemment, ça sert à obtenir des pouvoirs spéciaux. Et on peut découvrir des objets cachés, débloquer des niveaux secrets et obtenir des pouvoirs spéciaux. Très bien. Et bah écoute, on va voir. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup la DA. J'aime beaucoup la DA et ça change d'avoir ce genre de déplacement. Allez, go. Ok, forêt d'illusion. N'ayez pas peur d'arriver juste à côté des ennemis, forcément, puisqu'on fait une attaque circulaire autour de nous. Ok, alors. Il faut activer les boutons cette fois-ci. Ok, parfait. Ça, c'est good. Attends, je peux récupérer un truc là-bas? Non, je pourrais pas y aller. Je pourrais pas y aller. Ok, parfait. Donc là, je peux choisir ma direction, encore une fois. Pour voir un petit peu où je vais. D'accord. Je pourrais pas aller là. On va essayer d'aller là pour voir. Ça, je me fais avoir. On va faire ça. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Merci pour Minouche qui a offert un sub à Kiki Gaming. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci de ta générosité. Alors, je peux récupérer mon cœur là-haut. Et là, j'ai deux choix. On va peut-être voir ce qu'il y a par ici. Ouais, super. Ah oui, ça a ouvert le passage là-haut. Je vais regarder un peu sur la minimap ce qu'on a. Ah oui, il y a le truc en bas là, il faudrait que j'y aille pour voir. Je pourrais pas tous les activer là. Je suis en train de chercher parce que en fait je me repère par rapport à ce que je peux faire. Celui d'en face, je peux évidemment. Je peux faire que celui-là. Parce qu'après, si je reviens gauche, droite, non, je peux pas, je vais tourner en rond. Là, je peux aller à la sortie, mais j'en aurai qu'un. En fait, je vais être obligé de ressortir vers le bas. Vers ici, là. Juste en dessous. Ouais, c'est ça. En fait, je fais juste celui-ci. Et après, je suis obligé de ressortir. De choper celui-là. De prendre là. Et alors là, le problème,
c'est que pour choper celui-là, il faut que j'arrive du niveau à droite. Donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive à prendre l'endroit où je suis pas passé tout à l'heure. Donc c'est ça. Ensuite, je retourne là. C'est chaud d'avoir un nombre de moves possible dans les niveaux. Ok, donc ça c'est bon. Et cette fois-ci, je prends celui-là. Oula. Est-ce que ça me... Ouais, ça m'emmène vers celui-là pour choper ça. Par contre, j'irai bien en bas récupérer la sphère. On va peut-être d'abord aller en bas. Attendez, je vais m'occuper des zombies d'abord. Ah punaise, j'étais sûr. Ah, attends, on fait ça. On va d'abord aller récupérer la petite sphère en bas, puisque je pense que ça doit débloquer des choses à terme. Je trouve que, vous voyez, c'est la stratégie qui est pas forcément hyper compliquée, mais qui est suffisamment agréable. Ok, j'en ai 4. Qui est suffisamment agréable parce qu'en fait, elle est assez simple. Et c'est très, c'est vraiment sympa. Ce qu'on va faire, c'est que on avait dit qu'on était par là, il fallait qu'on repasse pour aller activer le dernier truc. Vas-y, go. Ok, good. Ah, j'ai déjà récupéré mon coffre. Oh, je fais des moves en trop en plus. Ok, good, c'est bon. Normalement, là, on va pouvoir activer le dernier. Voilà. Boum, ça c'est fait. Et du coup, c'est la fin du niveau, si je dis pas de bêtises. Oula. je suppose que j'aurais dû écouter ma grand-mère. La case violette, c'est pour des dialogues. Ok, bon bah tuer tous les ennemis c'est fait, par contre effectivement on a moyen de faire quand même beaucoup mieux que ça pour le 100%. Pour ne pas prendre de dégâts. On va voir surtout ce qu'on va pouvoir dépenser avec à terme. Ça va être intéressant. Salut à ceux qui débarquent sur le stream ou sur cette vidéo d'ailleurs, qui sera en rediffusion. Bon. Voyons voir. J'ai surtout hâte de voir ce qu'on peut débloquer avec ces sphères. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Du coup, ça doit donner vachement envie de refaire les niveaux. Alors, on va aller voir à gauche. Qu'est-ce qu'on a plus à voisin? Ah, ok. Collecter 9 pour le débloquer. Ah, ok. Bah écoutez, on va revenir après. On va débloquer suffisamment. Il nous en manque 3. Alors, finir le stage, tuer tous les ennemis et pas mourir. Et il y a même un bonus. Ok, donc il nous en faut 9 pour débloquer ça. Allez, c'est parti. Apparemment, il y aura des combats de boss aussi, c'est ce que dit le jeu. Ah oui, on change littéralement de décor. Alors, en termes de réflexion, on va passer à droite. Ah, il m'en manque 2 en fait sur les stages précédents, même. C'est même plus qu'une seule. Hein. Bon. Je sais pas du tout. On va passer par là. Oula. Alors, il y a un garde avec une armure. Ok. Ah, je peux pas. Ah, d'accord. D'abord, je lui enlève son armure et après, je le bute. Je peux pas récupérer la boue tout de suite parce que. Bon, les dialogues, on va les passer. Je peux pas. Alors. Ok, c'est bon. Ok, good. Alors attendez, j'ai le choix. Soit je vais vers le haut, soit je vais vers le bas. J'irai bien en bas pour essayer de récupérer la petite boule. Est-ce que ça veut... On va essayer d'aller voir. Oula, il y a du monde. De toute façon, il faut que je tue tous les ennemis, donc il n'y a pas trop de choix. Ok, ça c'est good. Aïe. Oh putain. Alors tant que je meurs pas, ça va, je peux espérer faire quelque chose. Ok, good. J'ai pas récupéré le cœur. Ah, parfait, c'est bon. Parfait, super. Je récupère le bonus. Donc là, on est à 7. Il nous en restera plus que 2. Normalement, si on termine le level et qu'on tue tous les monstres, on est bon. Donc ça, c'est déjà ça. Par contre, je pourrais pas retourner en bas. Donc je vais être obligé de repasser par là-haut. Ouais, je suis obligé de repasser par là. Je peux faire ça. C'est vraiment juste pour l'histoire, en fait. Je vais passer une seconde. C'est du gameplay, là. Il y a quelque chose d'autre en bas ou pas? Non, il y avait rien d'autre. Si, il y avait un cœur. Non, c'est bon, on est fou là. Voilà.
moi, c'est bon. Vas-y. Alors, il y a une clé à récupérer également. Ok. Je vais me faire avoir, non? Non, c'est bon. Alors, la clé. Ici, non. Si, c'est ça. Ok, good. On ressort. On ressort d'ici et qu'est-ce qu'il y avait à ouvrir avec Ingami? C'est la clé, c'est dans le hall d'accueil. Bon, on va tout de suite dans le hall d'accueil. Tu peux récupérer ça? Et bah écoutez, c'est bon. Good. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça c'est bon. Eh ben c'est bon, regardez. Merde. Attends, ah, il y a un ordre précis en plus. Ah mais non, je les avais moi en plus. Ah, il y a un ordre précis dans lequel il faut les allumer. Ok, d'accord. Ok, d'abord celui-là. Ensuite, tu vas voir que ça va être pas celui-là, ça va pas être celui-là. J'étais sûr qu'ils allaient me le faire comme ça. Ok, on est bon. J'étais sûr qu'ils allaient me le faire. Alors, pour y arriver... Oh punaise. Alors celui-là... Ah, faut que j'arrive de là. C'est pas possible d'arriver là. C'est pas possible d'arriver là. Je suis obligé d'aller là, je suis obligé d'aller là, je suis obligé d'aller là. Alors, là la tentative est compliquée. Je peux aller qu'à droite. De toute façon au début je vais me retrouver sur. Je vais me retrouver devant le siège rouge. Je vais me retrouver devant le siège rouge. Je suis obligé d'aller à gauche après, de toute façon. Ah si, c'est bon, je l'ai. Bah si, en fait. Attends, c'est ça que je voulais faire. Voilà, good. Finalement, c'était pas si compliqué que ça. Je pensais que ça allait être plus difficile, mais en fait, non. Oula. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que tu veux, gamine? Je suis occupé, dégage. En gros. Allez, viens! Je vais me faire avoir, bien sûr, évidemment. Allez. Oui, alors, servitude de servitude? Bonjour. Il faut que j'aille là. Ok, là, comme ça. Boum. Allez, dégage. Ok, il va ramener des amis à lui. Il y en a good. Ah, pas du tout, en fait. Ça, c'est good. Oh, punaise, c'est chaud. Je suis obligé de passer comme ça. Ah, je vais me faire avoir si je fais ça, je me fais avoir par l'autre. J'étais sûr. Ah, en plus, faut pas que je meure. Comment je vais me choper? Regardez-moi. Je décroche mon téléphone. Bah, c'est même parce que... Oh la vache, c'est du monde! Est-ce que je peux lui enlever son armure quand je fais ça? Yes! Ah punaise, il m'attaque du coup aussi! Je vais me faire avoir, je vais mourir. Non! Je voulais pas mourir! Non! Ah, c'est de ma faute. Et ouais, j'ai mal géré. Moi, du coup, j'aurais pas toutes les. J'aurais pas tout. Ah punaise, c'est dommage! Bon, c'est pas grave. Ah ouais, c'est dommage.
Bon, c'est pas grave. De toute façon, on en a 7, il nous en manquait 2. Il faut juste battre tous les ennemis et finir le niveau pour avoir les 2. Allez, vas-y, on fait ça, on enchaîne. Ok, ça c'est good, ça c'est bon. J'en profite. Attends, comment je vais faire? Zut, je me suis empêtré tout seul dans... Ok, c'est good. La clé. Si, c'est ça. Ok, c'est bon. Allez, on retourne à l'accueil. Tu sens la complexité des niveaux au fur et à mesure, quand même. Ok, good. Allez, on est bon. Donc, on avait dit qu'il fallait allumer le dernier ici en premier. Ensuite, il fallait retourner sur celui-là, faire celui-ci et remonter. Ok, allez. Donc on avait dit clac 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 clac. Attends. Ah si, c'est... Ah oui, j'ai pas activé mon checkpoint. En fait j'aurais dû activer le checkpoint ici tout à l'heure. Tant pis, vas-y, on y va sur le checkpoint. Vas-y, on y va. Ah, c'est totalement ça, c'est totalement un petit peu les énigmes des cavernes de classe Pokémon. C'est un peu ça, les versions combat. Merde. Ah, je me suis fait avoir. Ok, on est bon. Ok, ça c'est good. Là, on n'a pas de nombre de moves. Enfin, Max, on est bien. Fais attention à ce qu'on fait, on va réfléchir. Là, on est bon. Quoi? Mais non! Ah, je vais encore me faire avoir, mais non! Je fais n'importe quoi là. Troisième vague. Donc là par contre on peut pas se mettre à côté. Il n'y a aucune possibilité de se mettre à côté pour leur enlever le bouclier. On va absolument les avoir du premier coup comme ça. On est obligé. Bah je me suis enfermé, voilà. Typiquement je me suis enfermé. Oh la galère. Oh la galère. La galère. Ah c'est bon. Yes. Boum. Allez, viens là, je t'enchaîne, et là il y a le boss derrière, on peut lui faire le move direct. Ah, j'aime bien. Allez, boum! Attends, troisième ou pas? Il y en a quatrième! Mais t'abuses! Ah, putain! Aïe, aïe, aïe! Non! Le problème c'est qu'il me reste que 2 cœurs. Si c'est bon, ça devrait le faire. Attendez, je fais ça. Et là en vrai il pourrait m'attaquer là puisque. Ouais c'est bon, ok on est bon. Ok j'avais bon. Ok on est bon. Allez on le dégage. Allez ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça, ça, ça. Allez, goûte ça. Wouh. Franchement, il me restait un cœur. J'ai vraiment eu peur que ça passe pas. J'ai vraiment eu peur que ça passe pas avec le cœur qui nous restait.
Merci pour le GG. Ah, j'ai vraiment eu peur. En vrai, j'étais pas serein. Oh, de l'argent. J'étais vraiment pas serein sur ce qui nous restait. Oula. Arrêtez ici, citizen. Vous êtes en état d'arrestation. C'est ça, ouais. Bon, normalement, on est bon pour ça. On en a 9. Mais, bah, dit, comme on est décédé, c'est pas possible. Voyons me boire. J'avoue que l'aspect réflexion, finalement, est peut-être un petit peu plus exacerbé que ce que je pensais dans les phases de combat contre les boss. Hein. Un petit peu plus intéressant. Je vais utiliser ce que j'ai, les 9 trucs que j'ai. Attendez, on va aller voir ce que ça donne. Ça donne quoi? On va aller voir. Et bah vas-y, débloqué. C'est quoi? C'est peut-être un niveau secret, en fait. On va y voir. Il y a toujours une façon de clear les rooms sans prendre de dommages. Ah, c'est une espèce d'énigme en plus. Ok. Ok, go. Ok, donc c'est un espèce de temple mystérieux en plus. Tac, 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 tac. Ah zut, attends. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas. Ah non, ça m'a recommencé à zéro quand je fais ça. D'accord, c'est parce que c'était juste l'autre entrée en fait, c'est juste ça. Oh, stylé. Mais c'est trop stylé. D'accord. Ah oui, d'accord, on a des petits bonus genre là, on retrouve un peu de sang, on retrouve un cœur quand on tue 3 ennemis à la fois. Cool. Ok, donc il y a des petits bonus comme tu peux améliorer ton personnage sur l'aventure. Ça c'est chouette. Hein. En fait, alors, j'aime bien la façon dont ça se débloque, c'est-à-dire que tu utilises pas simplement tes petits orbes en disant hop là, t'achètes une amélioration. En fait, tu débarques dans une espèce de mini petite énigme qui va te permettre de débloquer une amélioration pour ton personnage. Donc tout le système du jeu vraiment est basé sur ce système de mouvement qui est assez sympathique. Ok. Ensuite. Bon, ce qui veut dire qu'on a encore plein de trucs à déverrouiller hein, par contre. Hein. Qu'est-ce qu'on a à gauche? C'est qu'il en faut combien hein? Ah, il en faut 14. Il en manque 5. Ah, là, il y avait grave moyen d'en avoir plus avant. Ok, s'échapper de prison. Alors là, on peut en avoir 5. Si on joue bien, on peut en avoir 5. Donc vous pourrez débloquer peut-être le deuxième pouvoir. Voyons voir. Ah, attendez, parce qu'ils vont nous demander des trucs de ouf. Je suis sûr. Ah, il y a des coffres. Ah, ça doit se pousser, ça. Alors. Ah oui, ça se pousse, ça. Très bien. Ah oui, du coup, ça augmente encore plus le nombre de choses qu'on peut faire. Ouais, ouais, on va peut-être refaire des stages après pour gagner les orbes. Par contre, on a vraiment plus de vie. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Ah zut, c'est pas ça que je voulais faire. Non. J'étais obligé de revenir. Ah, j'ai complètement loupé alors que j'y étais dessus en plus. Ah bah non, je suis bête. Bah non, on est en prison là, on a rien envie. Hein. Que dalle. Alors attendez, ça je pense que je vais en passant le bloc. Ouais, le système de jeu est bien foutu quand même. Le système de jeu est bien foutu. On va aller voir ce qu'il y a ici. Non, j'avoue quoi. Il y a une intelligence assez agréable. Il y a quoi là-haut? Ah oui. Ah mais c'est là. C'est ici. Yes, je vais pouvoir récupérer mon arme. Ils l'ont mis dans le placard à balai en plus. Ok, c'est bon, on a notre arme. Ce sera quand même un peu mieux. Ok, j'ai récupéré mon arme et mes cœurs. J'aurais pas dû faire ça.
J'aurais dû descendre. J'aurais pas dû faire ça. Bon, tant pis, je suis pas chaud. Ah ouais, les musiques d'ambiance, c'est pas fait, il n'y a pas rien à dire là-dessus. Ça va bien, bien ensemble. J'ai pas besoin de retourner dans le truc là-haut. Les enlever comme ça. Ouais, je peux. Ouais, je peux. Cool. Je peux les virer. Ok, super. Ça doit faire partie des. Ah, punaise, ça doit faire partie des trucs à faire. Et je les ai pas tous détruits. Ouais, je pense que j'en aurais oublié un ou deux, à mon avis. C'est possible. Ok, checkpoint. Là, ici, boum. Ah, punaise, je n'avais pas géré sur le retour celui-là, évidemment. Mauvais plan. Ah, mauvais plan! Très mauvais plan. Il doit y avoir un ordre précis, c'est pareil. Ok, c'est celui-là. Je suis sûr que ça va être le deuxième ici. Ok. Ok, on est good. Mauvaise idée d'aller par là. Donc on va d'abord aller là. Ça c'est une idée. Pas du tout. Oh là là, la badaïque. Oh punaise, je fais n'importe quoi. Ah, j'ai plus qu'un cœur en plus. Oh, la loose. La loose. Non. Ah, c'est bon. Ah, là, c'est loose. Ah, j'ai un cœur. Je peux le choper. Non, il faudra que j'ouvre le cadenas qui est là. Je peux pas pour l'instant. Ah, je peux pas. Il faut la clé. Ok, je peux récupérer celui-là déjà. Ça, c'est bon. On est à 10. Il n'en manque plus que 5 pour ça. Non, 4. Il en manque 4 d'ailleurs. Ah, la clé est là. Je peux pas y aller. Ah, si, je peux pas. Attendez. Si, je peux y aller. Ça va être short, mais je peux y aller. Non, je peux pas. Bah non, je peux pas. Ah, punaise, je suis obligé de continuer. Je suis obligé de passer par l'autre côté. Ah, à mon avis, il faut que je passe par en bas. C'est pas le choix. Alors, on va peut-être pas aller loin avec nos cœurs. Hein. Enfin, faut qu'on fasse très attention quand même. Ah, il y a un checkpoint là-haut. Attends. Allez, hop, checkpoint, on est bon là-dessus. J'ai oublié de revenir, forcément. C'est ma faute. Ok, ça c'est good. Ok, alors. Si je vais en face, c'est une mauvaise idée. Donc là, on est bon.
Ça, on les fait revenir un peu vers nous. Je crois qu'il est en train de m'enfermer tout seul. Ah, je suis en train de m'enfermer. Ah punaise, il va débarquer, je vais me faire avoir. Eh ben, je vais être obligé de perdre de la vie. Tant pis. Allez, encore une fois, évidemment. Ah, si je fais ça, je vais encore en perdre un cœur, c'est pas grave, tant pis. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Ridicule ce que je viens de faire. J'ai perdu toute la vie que j'avais emmagasinée. Ah, c'est celui-là. Ah, faut que je le prenne par le côté, j'ai pas le choix. Ok. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas bien. Ok, allez, on a la clé. Parfait, c'est bon. Alors attendez, du coup, il y avait des choses verrouillées tout à l'heure, genre le en bas, pour aller récupérer le bidule. On va d'abord passer là. On va d'abord passer ici, pour aller récupérer notre petit bonus. Ah oui, d'accord, c'est vraiment une fois le checkpoint, quoi, pas deux fois. Allez, on ouvre la porte, on récupère. C'est bon, on est à 11. Ça sert à rien de remonter parce que ça ne changera rien du tout. Si je peux remonter à la limite, je fais 1, 2, je remonte là, et après je passe par là. Bon, si on va remonter, on va passer par ici, ça sera plus simple. Ça sera plus rapide que faire le tour par en bas. Allez, on passe là. Ok, good. Alors, ok, checkpoint. Parfait. Ensuite, d'accord, on est bon. Bah non, on n'est pas bon, en fait. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux revenir en arrière ou pas? Oh, ça me nervait pas. Ah si, je peux, c'est bon. Ah si, c'est bon. Ok. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Ah ouais, si j'avais fait 6 et 2 secondes de plus, ça aurait été plus simple. Ah, j'ai tellement eu peur. Ok, c'est bon. Alors, réfléchissons un peu. Là, on est good. Là, on est good. Là. Non! Non! Ouais, ce sera mieux que rien. Ce sera mieux que rien. Allez, ça c'est bon. Allez, viens là, mon cochon. Allez, goûte ça. Boum. Ok, parfait. On a réussi à passer en douceur. Alors ensuite. Let's go. Par là, ça c'est bon. Ah punaise, je l'avais pas vu lui. Ah mais n'importe quoi, Edouard. N'importe quoi. Arriver par la droite, hein. Par la gauche, pardon. Comment tu veux que j'arrive là? Je fais ça, il passe à travers. Hein. Ouais, j'étais sûr.
passe. Ah, je l'ai. Ok. Super. Ok, je l'avais pas. Attendez. Attendez, je vais tester un truc d'abord. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, regardez, un petit truc caché. Super, on est à 12. On va peut-être réussir à se le faire. Ok, parfait, c'est bon. Excellent. Ça c'est fait. Ouais, pas trop le choix, malheureusement. Je pourrais pas aller à gauche parce qu'il me faut une clé. Je peux pas aller en bas parce qu'il me faut une clé. Donc la seule solution, ça va être d'aller là. Ah, il y a trois portes. Bon, on va passer sur celle-ci d'abord. On va voir. Ok, ça c'est bon. Ok, c'est trois interrupteurs. Allez, deux. Et le troisième. Hop là. Super. Allez, ça c'est fait. Jusque là ça va. Ok, good. Ah, attendez, on va passer par ici. Ça ouvre quoi ça? Ah oui, c'est juste ça. Yes. Bah non, j'y vais tout de suite. Ah mais non, ça c'est la fin du niveau ça. Non non, c'est la fin du niveau ici, j'ai l'impression. On va d'abord aller chercher, il doit y avoir un truc caché en haut, puisque ça a ouvert une salle. Attendez. Par ici. Tous les coups, c'est un truc caché. Ah yes, ça, c'est sûr. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ces machins jaunes hein? Je peux pas les casser, toi. Je peux pas les casser, ces trucs-là. Comment je fais? Ah si, je peux les casser avec mon arme. Ok. Ok. C'est juste que ça me demande un coup de plus. Mais quel idiot. Mais quel idiot. Mais quel idiot. J'ai cassé celui qu'il fallait pas. Oh, puis ça reviendra pas en plus. Oh l'idiot, je me suis gâché tout le truc. Non. Bon bah c'est mort. C'est mort, je l'aurais pas. Mais quel idiot! Bah j'en ai loupé un, voilà. Bah à cause de ma bêtise, j'en ai loupé un. Voilà, ça c'est fait. Et bah c'est foutu pour ça. Tant pis. Mais quel idiot, c'est pas possible. Je suis allé trop vite. Hein. Ah que c'est dommage. Je vais me faire avoir. Ah, qu'est-ce que c'est bête ce que j'ai fait! Ah, punaise! Et du coup, j'ai pas tué tous les ennemis non plus. Et j'ai pas eu tous les orbes. Et du coup, j'en suis à 13 à la place de 14. Je suis sûr. Ah, c'est dommage! C'est vraiment dommage! Ouais. C'était un petit peu trop rapide. Bon. Du coup, j'en suis à combien? On en est à 13, hein, je suis sûr en plus. Oh, on a 13 sur 14, attendez. Il y a peut-être une possibilité de refaire un niveau un peu rapide pour le choper. Qu'est-ce qu'on a comme niveau rapide? C'était quoi celui-là? Oh, attendez, il y avait un truc là. 140, pas 32 dégâts. Vas-y, on refait ça pour en choper au moins un et débloquer le nouveau pouvoir. Et on va peut-être arrêter la vidéo découverte aussi par là. Parce qu'on a fait une grosse vidéo découverte, c'est quand même plutôt cool. Ça, super satisfait. Franchement, je m'attendais pas à ça et je trouve ça vraiment très cool à faire. Bon, 140 moves, ça peut le faire si on fait attention maintenant qu'on sait bien utiliser le jeu.
Tout à l'heure, on était sur l'entraînement. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus rapide. Ce qu'on découvrait tout à l'heure, là on est en mode tryhard. Allez, vas-y. Ok, parfait. Ça, c'est good. Avec de la chance, on va pouvoir choper les deux orbes d'un coup. Hop là, c'est parti. Allez, vas-y, grand-mère, fais-toi. Chut, grand-mère. Allez, parti. Et vu qu'on n'a plus besoin de lire ce qu'elle a à nous dire, on gagne des coups. Ok, on est bon. Ok. Ah ouais, une fois que tu as le truc en main. Ok, good. Bon, normalement sur les 140 moves, on sera bien là. Good. Pouf. On a pris aucun dégât pour l'instant. Ah oui, c'était là, faut faire attention. Là on fait attention parce que si on se prend des dégâts, on perd l'orbe. Donc là c'est bon. Là on est bon. Ça c'est good. Ça c'est good. Si je remonte, je peux prendre des dégâts, donc c'est pas une bonne solution. Ok, on est bon. Parfait. On est bon aussi. Allez, c'est les derniers. Je crois que c'est les derniers là. Là, je peux. Là, si je fais ça, c'est mort. Je reviens ici. Là, je le termine ici. Je peux aller ici, ici, ici. Je fais n'importe quoi là. Ah, c'est bon. Ok, on est bon. Boum. Bon, je pense pas qu'on ait dépassé les 140 moves après. Hein. Ah, il y a peut-être un orbe caché en bas. J'ai pas été voir, c'est dommage. Je suis sûr qu'il y avait un truc caché dans la boutique en dessous. Est-ce que j'ai encore le temps en termes de move ou pas, à votre avis? Non, je pense que j'ai pas le temps. Je pense que j'ai vraiment pas le temps. C'est dommage. C'est vraiment dommage, je suis sûr qu'il y avait un truc caché en bas. Oh, punaise! Mais... pourquoi j'ai fait ça? C'est idiot ce que je viens de faire. Et ça aussi. Mais n'importe quoi! Edouard, enfin! Bon, il m'en restait qu'un seul à choper. C'est tellement dommage. Bon, on a eu celui qui nous manquait, mais en vrai, le faire pas de dommage, c'était facile. Et je me suis complètement craqué sur la fin en prenant trop mes aises. Mais c'est pas grave. On a les 14 orbes et on va aller débloquer notre nouveau pouvoir. Ah, c'est dommage. Je me sens un peu... un petit peu triste de ça. Alors que ça pouvait se faire facilement en fait. Allez, viens, on va le chercher. Ok. Allez, c'est bon. Collecter. Alors, c'est quoi cette fois-ci? On entre dans le temple. Shrine of Progress. Je trouve ça tellement stylé l'art. Je vais le garder. Regardez dans mes images. Bon. Alors, par contre, là, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué avec les petits cubes. Alors. Réfléchissons. Parce qu'à tous les coups, il faut aller à droite. Je suis quasiment sûr qu'il faut aller à droite. Donc, comment je fais ? Ah, c'est ça, attends. Ok, ça c'est bon. Ensuite. Il faudrait que j'arrive là en fait. J'aurais pas dû le pousser autant. J'aurais dû le prendre et le pousser à gauche, non?
sais même pas, je sais même pas. Ah putain, c'est pas recommencé au début, super. Bon, tant pis. Je vais le retenter comme ça. Je vais le retenter. Ça m'ouvre cette possibilité. Celui-là. Ou alors il faut que je le pousse vers le... Non, il faut que je le pousse vers le haut, j'ai pas le choix. Ou alors il y a celui du milieu que je peux peut-être essayer de pousser à droite ou à gauche. Mais je peux pas, parce que pour me retrouver là, il faut que j'arrive là. Ah si, attendez. Si j'arrive là... Si j'arrive à arriver là... Si j'arrive à arriver ici... Alors pour arriver ici, il faut que je fasse quoi? Il faut que j'aille soit là, donc à gauche, donc là, boum, 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 boum. Ok. Attends. Ok, parfait. Alors maintenant, la question est de savoir à droite ou à gauche. Parce que c'est pas le même. C'est pas le même. Je sais pas si je prends, je tente celui de droite ou de gauche. Est-ce que j'ai une pièce quelque part qu'on va faire? Attendez, on va faire un truc, on va faire un pile ou face. Parce que en général, c'est là pas de pièce. On va faire un pile ou face. Parce que là par contre, c'est juste un truc de chance. Allez, pile à droite et face à gauche. Et donc, c'est face donc à gauche. Allez, on tente à gauche. T'as intérêt à pas me décevoir à la chance. Et bah, j'ai l'impression que les deux fonctionnaient cette fois-ci. Alors, activer le cross blast pour faire deux dommages aux ennemis dans la même ligne. Ah, cool! Ah, par contre, c'est une fois par niveau. Oh, c'est stylé ça! Ouais, c'était pareil sur les trucs. Bah, c'est pas grave, parce que le dernier tout à l'heure, c'était soit à droite, soit à gauche. Mais c'est pour ça que j'ai un peu peur. Ça, par contre, c'est stylé de pouvoir faire ça aux ennemis. C'est, par contre, c'est une fois par niveau, on peut pas le faire plus. Mais les pouvoirs activent vachement de choses hein, chez le personnage. Ça, c'est plutôt cool. Hein. Ok. Eh bien, écoutez, je pense que c'est ce qui va clôturer cette grosse vidéo découverte sur Kin One Army Girl, qui est disponible encore une fois à 13,99€ sur Nintendo eShop. Je rappelle encore une fois qu'il pèse 1,258 Go et qu'il n'est pas disponible en français, mais il n'y a pas besoin de... Honnêtement, même si vous savez pas piffrer un seul mot d'anglais, c'est hyper simple, enfin ouais, vous déplacez votre personnage, vous tapez, vous activez des blocs. À partir du moment où vous aimez un petit peu réfléchir, je trouve ça très intéressant. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'aime bien ce genre de jeu indépendant, parce que ça se permet une liberté de mouvement et une liberté d'atypicité. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Une liberté atypique de... Ça se dit l'atypicité? Non, c'est dégueulasse comme terme. On est d'accord que c'est dégueulasse comme terme. Bon, c'est atypique. Voilà, c'est atypique. Ça existe, on est d'accord. Non, en vrai, c'est très atypique, c'est très intéressant, je trouve. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve que pour un petit jeu indé qui se prend pas la tête, où justement, il va falloir réfléchir, et justement, on a des énigmes qui viennent de plus en plus compliquées, avec un potentiel de complétion totalement différent. C'est-à-dire que soit vous pouvez rusher les niveaux, sauf que du coup, vous n'allez pas tout déverrouiller en fonction des pouvoirs que vous allez pouvoir récupérer. Soit, effectivement, vous voulez faire le chose de fond en comble, et vous allez déverrouiller des niveaux secrets, des pouvoirs secrets, et trouver des petites choses supplémentaires dans les donjons. Donc voilà pour cette grosse découverte avec mon avis également sur Kin One Girl Army. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes sur le stream, ne bougez pas parce que nous on continue ce stream. Mais si vous êtes sur YouTube, eh bien j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce jeu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut, salut. Hey, hey, family.